song. That's a new one. Oh, I know. Clues. J'ai passé une semaine avec des prostituées et des call girls et des madams. How do you say madam? Comme madam Claude. Oui, des... La femme qui The boss. The boss, oui. Oui. Après une semaine, 10 jours, je disais à le metteur en scène, M. Alain Kukula, il faut me foutre à la porte. Parce que pendant tout ce temps, il n'y a pas un mec qui m'a proposé de coucher avec lui. J'étais dans les after clubs, j'étais vraiment avec eux pendant une semaine. Chez eux, dans les clubs, partout. Pas un seul. Pas même un clin d'œil. Alors, j'ai prié à Pakula de me laisser partir. J'ai dit, surtout prends Faye Dunaway. Et il a rié. Bon, alors, une idée est venue, like a big light bulb. Quand j'ai vécu en France avec Vadim, je connaissais des filles de chez Madame Claude. Quelques-unes. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elles n'étaient pas seulement belles, mais intelligentes. Comportement bien, elles pouvaient faire autre chose dans la vie. Et ils ont choisi, au moins pour un certain bout de temps, de se vendre pour vivre, pour avoir de l'argent. Alors, j'ai basé mon personnage sur un de ces filles. Et c'est tout ce que je vais dire sur lui. Retour, c'était facile parce que j'ai fait le film parce que j'avais passé 3 ans avec les vétérans du Vietnam, les soldats, leurs femmes. J'étais dans les hôpitaux. J'ai interviewé les vétérans qui sont revenus, qui manquaient des... qui était paralysé et tout ça. Je voulais faire un film sur ce qui leur arrive quand ils reviennent. Parce que c'était tellement affreux, la façon dont ils s'étaient traités. C'est à peine mieux maintenant, à peine. C'était vraiment choquant. Et pour moi, je trouvais ça, c'était la façon de montrer la how horrible war is, de le fait du point de vue soldat, des vétérans. Alors, le problème, c'est quel rôle moi je vais jouer. Et, alors, j'ai créé un rôle qui, au début, n'était pas si important. C'était surtout le deux hommes. Et, bon, alors, j'étais vraiment dans le bain déjà. Je connaissais ces femmes. J'ai rencontré des femmes qui m'ont dit, mon mari était une personne quand il est parti. Et quand il est revenu, je parle et c'est comme mes mots descendent dans un trou noir. Il ne m'entend pas. Il n'est plus là. Il n'y a personne chez lui. Ça m'a touchée beaucoup. Je voulais... I could talk for hours about coming. Je pourrais en parler des heures. Parce que pour moi, c'était une chose très très importante. Et probablement, on n'a pas le temps. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions?